Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire concernant le masculin sacré, en complétude de la capsule qui vient d'être mise en ligne pour le féminin sacré. En guidance générale, bien sûr, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la période du 25 au 31 mars 2019. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, je vous le dis toujours. Je vais démêler en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie. Donc, pour notre masculin sacré, pour la semaine à venir. Oula. Dans sa globalité, pour le masculin sacré, on voit que la pleine lune et l'équinoxe de printemps viennent de passer par là. Notre masculin sacré me semble en plein changement. Nous allons voir ce que l'au-delà m'envoie, mais il y a vraiment une prise de conscience, une conscientisation, un déblocage qu'il opère dans sa vie et dans la globalité. Alors, est-ce que l'au-delà m'envoie deux cas de figure? Oui. Pour le féminin sacré, l'au-delà ne nous envoyait qu'une généralité. Pour le masculin sacré, il y a les deux cas de figure, somme toute habituelle. Masculin sacré, première partie de parcours, âme sœur, première partie de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme ou en pré-réunion. Cette semaine, notre masculin sacré et dans la peur. Prise de conscience et peur d'être en train de perdre son féminin sacré parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Parce qu'il a redressé sa vie, on dira ça comme ça, ou à la rééquilibrer, en tout cas aux yeux de son féminin sacré. Parce qu'il se sait pas suffisamment présent et pas suffisamment dans le respect envers son autre et finalement envers lui-même. Ne jamais perdre de vue que nous fonctionnons en complétude, bien sûr. Et notre masculin sacré, cette semaine, ressentira le besoin un petit peu de s'enfermer dans sa bulle, on le dira comme ça. Mais avant tout, de cogiter, mais ce n'est pas tellement dans le mental, c'est avant tout dans l'énergie centrale. Donc, réaliser en commençant à vraiment s'écouter qu'il faut qu'il change tout dans sa vie. Bien sûr, évacuer tous les toxiques, que ce soit énergie tierce, énergie négative familiale, énergie négative amicale, etc. Addiction, etc. Et bien sûr que c'est un masculin qui en est conscient, mais pas que ça. Changer, se reprogrammer, j'ai presque envie de dire, parce que l'au-delà m'envoie clairement un nettoyage. En ce qui concerne le masculin, première partie de parcours. Et il va, cette semaine, se le prendre comme s'il se prenait un bus en plein portrait, j'ai presque envie de vous dire sur le mode plaisant. Ça va être pour lui un immense chamboulement. Pas forcément une perte totale de repères, mais en tout cas, se sentir comme étranglé. Ça me fait sourire parce que je rappelle, entre parenthèses, que Mercure redevient direct le 29 mars. Chakra de la gorge. Donc, normal, au moment où Mercure commence à ralentir sa rétrogradation pour repartir en direct, eh ben notre masculin sacré va se le prendre en pleine figure. Se sentir comme bloqué, vous! «
et comprendre qu'il doit agir pour rééquilibrer sa vie. Le temps est un grand maître, je ne vous le dirai jamais assez. Aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, d'ailleurs, quel que soit le domaine et quelle que soit la personne, le temps est un grand maître. Mais dans les relations sacrées, le masculin sacré, première partie de parcours, fait un point sur ce qu'il a déjà conscientisé et sent le trajet qu'il a encore à faire. L'au-delà, bah bien sûr, ça devient traditionnel, nous verrons combien de temps ça durera, peut-être pour longtemps. Demandez de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux, première partie de parcours de Tony Carmine Salerno. Et pour notre masculin sacré, première partie de parcours, le message, je le découvre en même temps que vous. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est un petit peu ce que l'au-delà vous délivrait comme message. Bien. Seconde partie de parcours. Pour les âmes sœurs qui vont vers l'aboutissement, pour les flammes jumelles en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, ou à cheval entre réunion vers la vie commune et réunion dans la vie commune, dans la vie commune et allant vers la fusion également d'ailleurs. Je démêle en direct pour vous. Oui, il va falloir que je démêle parce que là, ça me semble surpuissant. Ah, effectivement, l'équinoxe de printemps et la pleine lune qui s'en est suivie sont passés par là. Waouh. Autant on a pu être chamboulé, je mettrai une vidéo dans peu de temps. Pour faire un point sur physiquement ce que nous pouvons faire et les ressentis que nous pouvons avoir pour que vous y trouviez votre compte et ne pas paniquer quant à ce que vous pouvez ressentir actuellement, ne serait-ce que physiquement. Mais là, le masculin sacré, cette semaine, wow. Il sait que sa relation est sacrée. Il a pris pleine conscience de ce qu'il doit encore faire. Il dégage tout ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Alors, je ne dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts, bien sûr. Ça fait un long moment qu'il savait qu'il devait agir. Ça fait un long moment qu'il mettait des choses en place. Mais là, la force, il prend à bras le corps sa vie parce qu'il a besoin de faire exploser tout ce qui ne fonctionne plus, de sentir un rééquilibrage dans sa vie, le besoin d'exprimer enfin son amour à son autre, féminin sacré, sans plus la faire souffrir. Il a fait un énorme travail sur lui. Il a appris le respect envers lui-même, envers son autre. Il sait, alors pour le coup là aussi, que le temps est un grand maître. Mais il sait, il conscientise qu'il est en aboutissement. J'essaie de vous faire passer au plus direct les messages que l'au-delà m'envoie, mais si vous sentiez l'amour que je ressens à l'instant présent, quant à la globalité des masculins sacrés en aboutissement. Féminin sacré qui écoutez cette vidéo, lâchez tout ressentiment. Masculin sacré qui écoutait cette vidéo, runner qui écoutait cette vidéo, sentez l'amour et l'amour inconditionnel. Il y a une purification qui s'est faite. Ne soyez surtout pas dans le ressentiment. Ne confondez pas les termes ressenti et ressentiment, s'il vous plaît.
Ne soyez pas dans la rancœur, autrement dit, ni d'un côté ni de l'autre. Les masculins sacrés sont en train de prendre à bras le corps leur relation sacrée. C'était le message que l'au-delà m'envoyait. Alors, je vais découvrir en même temps que vous les cartes que l'au-delà m'a fait tomber hein, de l'oracle des amoureux pour la seconde partie de parcours. Je comprends mieux pourquoi on séparait première et seconde partie de parcours, déjà rien qu'avec les messages là. Mais il y en a deux qui sont tombés en même temps pour la seconde partie de parcours, donc nous les découvrons ensemble. La première était celle-ci. Masculin sacré, en fin de parcours, en seconde partie de parcours, aussi bien âme sœur que flamme jumelle. Pour cause. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Oui, vous êtes dans l'émotionnel cette semaine. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Ne soyez pas dans la rancœur, dans le ressentiment, j'étais en train de vous le dire. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je ne pouvais pas vous le dire autrement. Voilà. Il y en a une deuxième. On va peut-être comprendre pourquoi. J'en ai aucun doute. Ah oui. Union sacrée. Toujours pour le masculin sacré en aboutissement. Union sacrée. Honore et chérie ta relation. Car elle est véritablement sacrée. Plus de ressentiment. Plus de rancœur. Vous vous êtes débarrassé de tout ça avec la pleine lune. Masculin sacré. Amour inconditionnel. Vous ne le touchez plus du doigt. Vous l'avez. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir cette capsule vos capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je crois que les messages sont clairs. Merci à l'équinoxe et à la pleine lune. Des immenses changements dans les relations sacrées. D'un côté comme de l'autre, masculin comme féminin. Ne doutez pas. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Je vous mets une capsule très prochainement pour voir un petit peu où nous en sommes en 3D concrètement, je pense. Je vous embrasse. À très vite.